Hello, my name is Mary DeJonde. I'm the Director of Studies in Pedagogy Second Cycle at ESCE International Business School. My colleagues will now explain to you the different ways in which you can learn about more our school and apply to become one of our students. Good morning, I'm Sylvia Lee, Admission Coordinator for ESCE's Master's Program. If you're interested in applying, I'm available to help you take your first steps with the international admission. Foreign students can integrate the ESCE Grande École Programme in first, third and fourth year by filling in the admission form, submitting the requested documents and attending a video interview. All steps will be online. The selection process is based on your academic performances, your personal characteristics, your motivation, as well as the additional requested documents, a copy of your current passport, a personal statement, a recent resume, an official high school or undergraduate transcript, and a recommendation letter. You will find the link to the application form in the video description and on our website. Once a complete application file is submitted, it will be reviewed by the admission committee. Then, a link will be sent to you for your video interview. The interview is simple. You must answer the question about your motivation, goals, and international backgrounds. You will have 15 days to record your interview. Once recorded and submitted, the jury will review and evaluate it. Please feel free to contact me anytime if you have any questions. You will find my contact details in the video description. I'm looking forward to meeting you and receiving your application. Bonjour, je suis Sylvia Lé, chargée des admissions à l'ESCE et aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire l'admission à l'international, notamment si vous avez un bac étranger, un bac plus 2, bac plus 3 étranger ou alors si vous passez un double diplôme, donc français ou étranger comme par exemple Abibac pour l'Allemagne. La procédure va se dérouler en trois temps. Première étape, vous allez devoir remplir un document en relatant de vos expériences professionnelles, personnelles, scolaires, extrascolaires, etc., vos langues. Ajoutez à cela, il va falloir nous donner votre lettre de motivation et votre CV. Vous pourrez retrouver le dossier de candidature dans la description de cette vidéo en lien à télécharger. Une fois ce dossier de candidature rempli et envoyé, un premier jury examinera votre demande. Une fois votre candidature validée, nous vous enverrons un lien internet pour passer votre entretien vidéo. La particularité de cet entretien cette année, c'est qu'il ne se fait plus par Skype. Vous allez recevoir un lien qui vous permettra de faire votre entretien en vidéo, c'est-à-dire un entretien en vidéo différé. Vous allez enregistrer vos réponses en ligne via le lien qu'on vous enverra et ensuite le jury évaluera votre candidature. C'est le moment pour vous de nous montrer votre motivation, vos expériences, mais aussi pourquoi vous souhaitez intégrer l'ESCE, qui est une école à l'international. On vous posera donc quelques questions sur l'actualité internationale, des questions de culture générale et autres. Une fois votre candidature en ligne, donc sous la forme de vidéo, sera envoyée, le jury à nouveau réévaluera votre candidature et sous une quinzaine de jours, vous aurez la réponse si vous êtes admis ou non au sein de l'ESCE. Viendra ensuite la troisième étape de l'admission internationale, le moment où vous remplirez votre dossier administratif avec toutes les démarches pour intégrer l'ESCE. Si vous avez des questions sur l'école ou le processus d'admission, n'hésitez pas à me recontacter grâce à l'adresse qui apparaîtra sous cette vidéo ou dans la description de cette vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir et j'ai hâte du coup de recevoir vos candidatures. À très vite. I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you at ESCE. How far I try.